Alors, mes amis, cette semaine, on va parler d'un personnage biblique que j'aime bien. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges. Alors, Michel, c'est un des saints pour lesquels beaucoup de personnes ont de grandes dévotions. C'est le patron des policiers, parce que c'est celui qui combat le mal. Et on le voit souvent représenté avec une lance où il perce le cœur de la bête, du dragon. C'est celui qui nous délivre du mal, comme le dit la prière du Notre Père. Alors, on verra un grand temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais à ce temps-là viendra le salut de ton peuple. Alors, c'est intéressant de voir comment la parole met en contraste un temps de détresse et un temps de lumière qui sont comme là simultanément. Alors, il suffit d'avoir de bons yeux pour voir la bonne dimension et la bonne profondeur de ce qui est en train d'arriver. Et beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Alors donc, c'est un temps de résurrection, hein? C'est un temps de vie nouvelle. Et les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Alors, c'est un texte qui, toujours, continue par contraste. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Il semblait peut-être insignifiant dans un temps qui n'était pas un temps de détresse, mais tout à coup, ils vont jaillir comme une lumière. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles dans les siècles des siècles. Alors, j'aime bien cette expression, des maîtres de justice pour la multitude. Non pas des maîtres pour eux-mêmes, mais des maîtres pour faire que la justice puisse être donnée à cette multitude qui n'est jamais composée de d'autres personnes que des pauvres et de tous ceux qui ont un cœur tourné vers Dieu. Alors, c'est la première lecture. La seconde, on nous parle du sacrifice unique. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais enlevé le péché. Mais là, ils vont nous dire, mais Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés l'unique sacrifice qui était lui-même, s'est assis à la droite de Dieu. Alors, voilà où il s'inscrit, Jésus-Christ. Il s'inscrit à la droite de Dieu. Et désormais, ses ennemis sont mis sous ses pieds. C'est ce qu'il attend. Et nous sommes ceux qui font partie de son peuple et de sa famille, et notre mission, c'est d'aller mettre sous les pieds de Jésus-Christ les ennemis du salut qui nous vient de lui. Quand le pardon est accordé, j'aime beaucoup cette expression-là, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. L'Eucharistie, c'est un sacrifice d'action de grâce pour actualiser, faire mémoire, rendre présent dans l'aujourd'hui, cette grâce incroyable de Jésus-Christ qui règne et domine toujours. Et l'Évangile, Jésus nous parle de sa venue. Après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. J'entendais à la radio cette semaine quelque chose qui faisait sens pour moi, où on disait de plus en plus de femmes ne veulent plus prendre de pilules ne veulent plus de cette substance chimique parce que c'est comme si après plusieurs, on va dire, décennies, on découvre que cette substance chimique
n'a pas que les effets que nous désirons, elle en a d'autres qui ne sont pas si favorables que ça pour le corps et pour la descendance de la femme. Alors, plusieurs ne veulent plus de cette imposition. Et donc, c'est comme une conscience qui s'ouvre à nouveau et qui se met à vouloir choisir ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Ça doit être une époque qui ressemble à la nôtre, parce que nos puissances célestes sont profondément ébranlées. On voit toutes les accusations qui se font, tout ce qu'on dit sur l'Église, tout ce qu'on dit sur les croyants. Et qu'est-ce qu'il va faire? On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Et il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre et de l'extrémité du ciel. Et moi, quand je vois l'action du pape François, ça m'impressionne, parce que de ses extrémités qu'il va, qu'il visite et qu'il interpelle, alors on voit qu'il fait venir, je dirais, une mentalité nouvelle, une nouvelle façon de faire Église, où au cœur de l'Église se retrouvent les pauvres, non pas comme des démunis, mais comme une richesse qui viennent nous dire quels sont les vrais chemins de justice. Et ils nous interpellent pour que nous soyons des serviteurs pour ces pauvres, pour que l'humanité puisse avoir aussi des serviteurs à la façon du vrai pauvre, qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Donc, qu'il y ait non pas la destruction, mais qu'il y ait non plus la domination des ténèbres, mais cette lumière qui va se refléter d'un bout à l'autre de la terre. Quant au jour et à l'heure, nul ne la connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors voilà où nous allons trouver la lumière. C'est dans ces paroles qui ne passent pas et qui sont agissantes à travers toutes les générations, la nôtre y compris. Bonne écoute de la parole, et je vous souhaite de prendre la bonne direction pour être du côté de la lumière. Bonne semaine.